Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog it103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Paper Mario The Origami King, donc sur PC. PC et Switch, je joue sur PC, entre guillemets, dans le sens où j'ai un PC en face de moi, c'est l'écran du PC. On est sur Switch. Oui, voilà, sur Switch. Parce qu'on peut pas y jouer. Quoique, non, je crois qu'il y a un émulateur qui s'appelle Yuzu pour la Switch. Il me semble qu'il y en a un qui fonctionne plutôt bien, apparemment. Et ouais, on a une petite bombe. T'as vu ça? Mais je suis déjà à fond, il sert à rien que je tape quoi que ce soit là-dedans. À chaque fois que je vois le jeu, ça me rend dingue. C'est émerveillable. Pas si c'est le bon terme, mais c'est émerveillable. Voilà. On avait fait le tour ici, je pense qu'il faut simplement que je retourne par ici. Dans le musée, on avait déjà tout acheté. On avait regardé vite fait les persos et tout. Les trésors qu'on avait débloqués. C'est celui-là qu'il me faut, celui-ci. Shogunland, voilà. On n'avait pas avancé vers Shogunland encore. Bien, comme ça, ça règle la question, toi qui te l'a posé. Bon, il y aura quand même une version boîte. Et voilà. Ça, c'est bon. Ensuite. T'as les tuiles. Petit morceau de papier et tout. Je sais pas s'ils ont déjà essayé de montrer vraiment leur papier et tout. Enfin, de monter les modèles qu'ils ont fait pour ça. Enfin, si ils ont essayé de les faire eux-mêmes pour voir si c'était bien logique de pouvoir les faire ou pas. J'ai l'impression de ne pas parler français. Billet s'il vous plaît, passe royale. Faudrait que je fasse ce mini-jeu aussi. Place maintenant, place à la royauté. Waouh, regarde le château, il est magnifique. Dire qu'un tas d'attractions et de jeux nous attendent juste derrière ce pont, qu'est-ce que je suis impatiente. Et là, tout sera vide. Il n'y aura personne. Va commencer à manger quelques aliments qui se trouvent sur place, parce que c'est bon. Quand notre petite bombe reviendra, il n'y aura plus personne. Et on retrouvera des cochons. Ouais, mais c'est Rockstar, ils ont envie de payer une cartouche. Hein? C'est ça, Shogunland? Où sont les visiteurs? C'est fermé aujourd'hui ou quoi? Voyons, mademoiselle Olivia, si c'était fermé, on ne nous aurait pas laissé entrer. Mais c'est vrai que c'est un peu trop calme, il y a peut-être un spectacle en cours. Dans la place. Bateau de canotier, mini trésor numéro 40. Un tiroir. Centre d'information. Ah, ok, ça explique des choses. Oui, dérivé Shogunland, exclusif bientôt disponible. Non, ça marche pas, il faudra autre chose. Ok. J'ai l'impression qu'il y avait des trucs au sol. Bonjour, confrères visiteurs. Tu
suivez-moi, je vous en conjure, ratez-vous. Vous ne devez pas rester exposé de la sorte. Le temps presse, venez de grâce, suivez-moi. Enfin, visiteur, nous sollicitons humblement votre assistance. Car voyez-vous, Shogun Land a été envahi par des soudards en bande d'origamisés. Là, ces traîtres ont capturé pléthore d'employés de ce parc et les ont enfermés au château. Ouais, ça craint du boudin. On s'était trop bien sapé pour le cas, et blague. Pardon, je m'égare. Nous sommes acquittés une somme rondelette afin d'accéder à ces lieux. Nous désirerions pouvoir en profiter. J'implore trop votre aide. Les guerriers, ici, ces gredins osent salir sanctuaire récréatif de leur présence. Oh oh! Voilà le petit Mario, ça fait plaisir de tomber sur toi, Moussaillon. Ah, c'est lui, non. Je comptais bien descendre la rivière en éclaireur, mais ce machin bleu veut rien entendre. Ça veut dire que le chemin a quelque chose de bien, pas moyen de passer cette porte. Ah, le serpentin jaune nous attend juste après la porte. Ouais, on voit qu'il y a un serpentin jaune. On dirait bien qu'on n'a pas le choix. Nous allons devoir commencer par nous occuper du serpentin bleu. Ah oui, je viens de réagir, elle le dit. Insolite, le serpentin doit périr, le destin l'a dicté. Mario-san, Bobino-san, au château Presson. Waouh, mademoiselle Olivia, tu te prends vraiment au jeu. Cela dit, tu as raison, on ne pourra rien faire de tout sans les employés, alors suce au château. Une queue à équiper pour renverser les ennemis proches. Rien par ici. Ils en supplient, voilà la rescousse des employés enfermés au château. Aujourd'hui, si possible, j'aimerais m'amuser avant l'ordre de dodo. Les employés séquestrés au château, le parc, occupé par l'ennemi, aux sinistres infortunes. Le château se dresse à l'extrémité de l'allée principale du parc. Ouais. Ah, vraiment. C'est difficile d'avoir les deux. J'ai réussi! J'ai pas encore perdu la main! J'ai pas de marteau assez fort. Je pense qu'il y a moyen de les tuer en un coup, mais je me suis raté. Alors, en même temps, c'est ça que je me suis raté, mais. C'est embêtant ça. Ils font mal. Et hop, un orgueil en moins. Enfin, deux orgueil en moins. Peut-être que c'est un jeu qui s'est moins bien vendu. Joli, c'est Imhotep. Attends, il y a déjà 9... Attends, non, non. Il y a 9 saisons? Sérieux? Comment ça se fait? Yeah.
pas à quoi sert exactement le petit logo qui est sur le côté. Je peux activer mon truc là. Alors, il ne tue qu'un seul. Ça aura tué tout le monde. Et merci Andel. Attends, ici le matin je suis détruite. Comment ça détruite? Comme le poisson? Il y a un truc qui me perturbe là. Bizarre ça. Il va en rester un qui est pas doué. La main. Ici, la main, je suis détruite. J'ai pas compris, mais là, je t'avoue, je suis décalqué, je suis complètement crevé. Alors, 1, centre d'information. 2, dojo des shurikens. 3, studio photo costume. 4, tour de guet. 5, maison du mystère. 6, théâtre du shogun. 7, maison des mécanismes. 8, ménagerie. 9, planté raffiné. T'attendais qui t'attend. Waouh! Bon, j'ai dit que je préférais l'humour de Paper Mario à Animal Crossing. Je maintiens, mais c'est fort là. Échappe de souvenir. T'attendais qui t'attend. C'est pas un peu raciste? Juste un peu quand même, tu vois. Ah, Herman. Le Sam, il a fini. Les yeux qui. Et. L'autre American Horror Story. Bon, c'est l'autre. Y'en a d'autres? Base? J'ai envie de folle de faire des Lego. Ah, pardon. Et qu'est-ce qu'il manque pour que j'ai de la force? On va prendre des. Il n'y aura peut-être rien dans l'immédiat, hein, mais. Peut-être la suite des événements. Il va y avoir d'être comme ça, là, tout rappel plein. Oh, je dorme bien aujourd'hui. Ça y est, je viens de comprendre l'explication d'elle. Merci. Heureusement que tu m'as précisé parce que j'étais complètement à côté de la plaque. Je ne comprenais rien comme d'habitude. En fait, je pouvais les tuer en un coup.
pom 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 pom. Bonne nuit les petits. Oh mince, j'ai rien placé correctement. Et pas eu qu'il me restait que ça. Je n'ai rien fait de bien là. Il y en a un qui est tout seul, on sait pas trop pourquoi là-dessus. Attends. Ce que je peux dire, c'est que je vais prendre cher. Oh là là. C'est pas très bien passé. Un truc hein, donc c'est bon. Alors, replacez-vous s'il vous plaît. Attends, j'arrive, Germain. Yeah, j'ai réussi. Ils sont toujours pas morts. Yo. Et bonne nuit, elle repose bien. Merci d'être passé, prends soin de toi la prochaine. Entre les saisons. J'avoue que je connais quasiment pas hein, de la série. Je sais pas si on aura vraiment vu déjà des extraits. Au final. C'est joli ce Todd là, il est à moi. Ça fait des heures que je surveille la zone et même si je suis miable comme une top, je vois tout. On va cibler de loin. La myopie est tout voir. Oh, c'est toi Mario? Il tombe bien, je venais juste de flairer une odeur inconnue. Celle d'un type en verre avec une grosse truffe. Un gros nez qui s'est précipité dans le manoir. Il court à une allure qui. Il s'y passe quelque chose d'intéressant. Une distribution gratuite de la noce? Un type en verre, ça se demande bien qui c'est. Je me demande bien qui c'est. Et je suis paumé, hein, je suis désolé. Il a écrit quoi déjà? Ménagerie, os sans écu. Thank you.
vais tomber dans le trou là à côté. Et il y a un point de sauvegarde. Le voilà, Altad. Peut-être que j'allais voir ailleurs. Alors comment ça, Monsieur Todd, il m'a même pas parlé, mais Monsieur Todd du manoir ninja, je suis sûr qu'il y a dedans tout un tas d'individus qui cherchent la bagarre. Tu sais que tu peux appuyer sur « pour changer les bottes ou de marteau quand c'est ton tour ? Désolé, je voulais voir ce côté du truc, là y a rien, c'est bon. Là c'est quoi ça ? Ah oui, c'est la tante qui t'attend. On va aller voir. Celui que je tape. Attends, il est pas en train de fumer une cigarette ou boire la paille là? Ah, il a le Todd. Peut-être qu'ils auraient moins de mal avec un biberon. Un biberon. Le monsieur ? On trouve bien la nouvelle entreprise, je vide les caisses. Lui au-dessus, fais voir ici. Je serai dans la place, et là j'obtiens donc le marron du ballon. Et c'est le micapère, comment vas-tu ? J'aime pas les verres ici, ils sont tout rikiki, comment on fait pour les utiliser, comprends pas. Heureusement que j'ai apporté une paille, je peux même vous la prêter si vous la lavez après. Un type utilisé pour boire, quelqu'un en a peut-être besoin. J'ai pas qu'il était à genoux. Je crois que s'il est ta mère, c'était j'aurais mieux fait de commander un soda. Les sodas aussi sont ta mère au Japon. Beaucoup. Genre, si tu prends un iced tea pêche au Japon, ils vont te servir vraiment un thé pêche sans le sucre. Donc c'est pas du tout le même goût quoi. Il y a écrit champignon de sa gamelle, on peut essayer de lui mettre de... Non, ça va. Tu claques aussi, j'ai un gros coup de barre là. Merci vu le carnage. Donc ouais, je galère pas mal là de suite. Attention les visiteurs. En raison d'une pénurie d'os à ronger, champignon est en roi. Il n'approchait pas sa nourriture. Pas pour tout de suite du coup. T'allais me chercher quelques tranches de pain de mie, un truc dans le genre, je sais pas, mais... quelque chose qui me permet de grignoter un peu quelque chose... Enfin, qui m'apprête, que j'apprécie, quoi. Se déplacer ou manipuler son perso, il faut choisir. Là, c'est fermé. Jamais, ouais, je suis vraiment pas fan de ce genre de choses. À part le chocolat chaud, il y a très peu de boissons chaudes que j'aime. Comme une sorte de murmure inquiétant chez les voisins, j'ai peur. Clac, 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 si seulement on avait quelque chose de mieux lancé que cet os. Tic, tic, clac, qu'est-ce que c'est que ça?
Ok, donc il a un os, mais c'est pas le bon. Enfin, c'est moi, il me faut un autre truc à lancer. Et il sort quand déjà? Ah, mais c'est vrai qu'on était le 28, donc ça veut dire qu'il sortait aujourd'hui le... Le qu'on appelle ça? Ils ont semblé. Il en manque un en première vue. Et voilà. 9 novembre, ok. Je ne dirais pas comme ça, mais la photosynthèse est épuisante, tout avec des mini-feuilles. J'ai même pas eu l'occasion de papillonner. Et ces traits ne sont pas des as du saut. Même toi, tu n'as aucune chance contre elles, Mario. Crois-moi, la vie d'un sac, c'est une vie de chien. Il ne peut pas s'en aller, ce masque à se plier bizarre. Et il connaît pas les portes coulissantes ou quoi? La porte. Ah, c'est parti. Il n'y a pas trop d'options. Tout voilà, heureusement j'ai l'autre là. Et voilà. Je lui parle d'ailleurs. Parce qu'il a été déjà intéressant à dire. Oh, maintenant qu'il a plus peur. Le manoir ninja est une des meilleures attractions du parc. Chaque fois que je me perds dedans, j'adore. Mais rien. Un truc dans le sable. Attends, attends, je vais retourner voir du coup. Un truc dans le sable. J'ai l'impression qu'on puisse faire quoi que ce soit avec, hein. Sur Darkest Dungeon 2, Serial Design. Ah, ça fait que ça laisse pas ma cam. Hop, hop. Ça enferme, c'était juste pour enferme. Live est terminé, Skyrax est toujours là, avec ça se fait aussi. Ça, je sais pas qui c'est, live est terminé apparemment. Et Archie est toujours là. Ok, bon, je crois que je vais juste aller manger, hein. Enfin, manger, prendre un round de 2, prendre une tranche de pain de mie vite fait. Fluidité, efficacité, qualité, demandez mes accessoires, tout ce dont vous avez besoin, et plus encore. Je vends mes articles juste devant la boutique de souvenirs, ça les met en rogne. Mais non, mais reviens. Fluidité, sac de pétales, transforme tous les confettis en pétales de cerisier. Pour 5000, allez hop.
Et voilà, c'est dernier, je n'ai plus rien à vendre, mais ne t'en fais pas, on va vite refaire les stocks. N'oublie pas d'équiper tes accessoires dans le menu. Ok. Accessoires. Et là, il m'en manque un d'ailleurs, accessoires. Laisse tomber, nice. On va donc que j'aille voir ailleurs. Bien de ces jolies couleurs, moi. Et voilà, il paraît que deux jeux des shurikens, on peut gagner des super prix quand le responsable... quand le responsable... Quoi ? Et coucou Gortar, comment vas-tu? Un spécial après une baston. Ah non, c'est bon, je l'ai pété direct le mec. Ouh, ça en faisait là. Wait. On va piquer mon zébuton préféré encore. Grrr. On joue aux chaises musicales avec des habutons. Enfin, les coussins qu'on utilise pour s'asseoir sur les tatamis. Ça s'appelait comme ça. Hey, j'ai réussi à avoir le dernier habuton juste à temps. Donc stock est éliminé. Quelle idée, Gortor. Tu te décales, comment ça se passe là, par rapport à ton sommeil habituel? Je vais me chercher du pain de mie. Au moins dans ce style là pour que je puisse récupérer un peu. Trouve autre chose, je sais pas. Je reviens tout de suite. Bon, pas grave, d'accord, nickel. Et on se ramène de la bouffe. AHS, comment ça? AH. Ah, animal. Animal. American Horror Story. Oh, un chat, vas-y, on tabasse ce chat. Parce que c'est un Todd en fait. Oui, je faisais une micro-sieste. C'est ce que font les chats, non? Micro-sieste, mais non. C'est pas si mal être un chat, ils ont une vraie vie de pacha. On rond, rond, ah c'est fou comme ça les temps. Et ça fait du bien les ronronnements d'un chat. Mmh, 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 mmh.
Parce que t'as eu du mal à dormir, Sinemotep. Et celui qui lave, comment as-tu? Pardon. Je ne t'ai pas vu. Ouais, t'es peut-être pas encore arrivé quand je suis parti chercher à manger. C'est noir parce que j'ai voulu prendre un ou deux pains de mie. Le souci, c'est que ma chérie dort et le pain de mie a fait un bordel monstre. C'est dans un sachet plastique, en fait. Je prends. Ah ouais, Gorter, t'aimes pas ça? Bon, ça se fait. Ceci n'est pas logique. Si tu es perdu, tu peux consulter le panneau d'affichage dehors. C'est un guide de Shogunland. Team chien, c'est ça? Élevé au grain, tu crois que ça va loin, tu as élevé au grain? Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, et paf, je l'ai eu. Le responsable de jeu est toujours en vadrouille, je ne sais où. Peut-être qu'il est de nouveau allé piquer une sieste en douce dans le lac de local du personnel. Ah, mais le pain beurre, c'est une valeur sûre. C'est bon, ça. Ah, regardez. Record absolu 99 points, Todd. Record du jour, point mode expert. Oula. Donc, il y a bel et bien un mini-jeu. Gagner. Participer et remporter une balle dicassée ultra rare en réussissant en mode, le mode normal. Il faut d'abord que je trouve le monsieur. Je peux comprendre. Il était où le plan? Alors, tour de guet, maison de mystère, sans information. Dans le local des employés 7, c'est quoi? Maison des mécanismes. Quel imposant château, il surplombe tout le parc. Les employés Todd sont enfermés là-dedans, c'est ça? Allons-y. Non. Elle est fermée en plus. Alors dans l'ordre, on libère les employés, on défait le serpentin et on file au parc pour enfin s'amuser. La porte refuse de s'ouvrir. Elle aurait pu frapper sinon. Eh oh, y'a quelqu'un? J'ai pas fait exprès d'enfoncer votre porte, allez ouvrez quoi! J'ai pas l'impression qu'on soit les bienvenus, mademoiselle Olivia. Bon, la diplomatie a échoué. Mario-san, cette porte est trop lourde pour mes petits plis délicats, j'implore ton aide. Oh oui, j'adore le côté or du papier. Ça pourrait très bien main forte, mais j'ai pas de main. Désolé. Tiens! Oh, y a une serrure là! Bien vu! Il nous reste plus qu'à trouver la clé. Fastoche. Fastoche, autant que chercher une aiguille dans une botte de foin, oui.
Ah oui, c'est vrai qu'on ne sait pas où elle est. Bon ben, on ferait bien de se mettre à chercher alors. Du coup, j'ai entendu parler d'une certaine clé, je pense pouvoir vous aider. Les employés du parc doivent verrouiller chaque zone avant de terminer leur journée. Cherchez le local du personnel, la clé s'y trouve certainement. Et non, je ne sais pas parce que... J'ai plein d'employés pour savoir où ils planquent leurs chips. Théâtre du Shogun. C'est le mystère du photocostume. Il y en a un là-haut. On va décoller, hop là. Décoller, il faut que j'arrive par un autre côté. Des photos des gens qui sont venus là. Je voudrais me faire prendre en photo et voilà que je me suis fait prendre par la photo. Dingue. Tu me conseilles quel costume pour la photo? Ah, il y a trop de choix. Bloqué ma foi. Par contre, il faut que je fasse attention à mettre un réveil. Alors, voyons voir. Faut les réveiller, ma chérie. Mon téléphone est tellement long. Je vais l'enregistrer. Ils sont pas bons. Ça. Le coupa macho fait dodo immobile. Si un gros bruit finit la sieste. Ils avaient planqué un paquet de trucs par ici. Hein. Et paf, coup de griffe. Non, c'est pas genre ça, Imhotep. Des coups de griffe. Oh, je voulais attaquer. J'ai bien compris qu'il y avait un mec derrière là. Mais bon. Voilà qui est fait. Allez hop, c'est parti. Yes, yes, yes. En ce moment, je me cache. Et J'adore mes capers. Tu sais que j'aime beaucoup papercraft, papier, tout ça, donc forcément... La direction artistique me plaît juste énormément.
Bon, là, on sait qu'on a un Jean Gérard dans le coin. Voilà. Pas la peine de m'agresser, je ne suis qu'un simple écriteau. Oh, c'est toi, Mario. Quand les autres guerriers ont attaqué les employés, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé me cacher. Ah, mais au moins, je suis encore libre, moi. Finaise. Oh, allez, ok. Désolé. Y'a tout le corps qui déconne quand t'es crevé comme ça, c'est pas agréable. Ton corps il fait « Ah non, j'ai pas envie. » Trop fatigué, j'ai faim. Travailler de travers et tout. Ah, je suis ok du coup, voilà, bravo. Quand les oreilles guerriers ont attaqué les employés, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé me cacher. Bon, ça, j'ai eu. Je vais voir si c'est quelque chose de nouveau à dire, mais... Ah. J'espère pouvoir l'attaquer, mais non. M'a menti. On va faire comme ça. Comme ça. Maintenant, on y va un grand coup à coup de botte. Méchant dans le vampire. Mais ouais, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si j'aimerais le jeu toute la durée. Mécaper, mais j'aime bien. Gentil Sam Striker, merci beaucoup! Pour le coucou, le plaisir. Repose-toi bien si tu vas te coucher ou te reposer quoi qu'il arrive. Pardon, prends soin de toi à la prochaine. J'ai toujours le hockey. Et d'habitude, j'arrête pas sinon, mais là ça veut pas. Hein. Et t'as craqué, t'as pris une Switch, ça a pris quoi avec? Vas-y, vends-moi du rêve. Mario, tu m'as servi où? Merci, merci. Empoisonné parce que je travaille ici. Incroyable, d'autres ont été enfermés dans un local du personnel. Tu es inquiet, tu pourrais aller voir s'ils vont bien. Le local se trouve dans la partie nord-est du parc. L'entrée est cachée parce qu'on a dû prendre des mesures en typique assiette. Explique des choses. En tout cas, dans un sens, ça fait plaisir quand vous craquez. J'aime bien, moi, ça. Dans un sens, je sais pas, je... Oh, punaise. C'est quoi, cette arnaque? Le Koopa Macho est réveillé. On peut y aller. On va descendre gentiment. Ah, t'es sûr de se retourner au bout? Hop là, y a plus. Ça, c'est bon. Suite. On va aller voir la zone des mystères. Où est-ce qu'ils sont partis les deux autres là, les deux Ziwoui? Pardon.
Tu es courbe à monde, si t'aimes ça, t'aimes ça. C'est pas grave d'avoir des mauvais goûts, hein. Pardon. C'est trop tentant. Et donc, t'as pris que FIFA? J'ai vu un type plus que suspect se diriger de manière suspecte dans le manoir ninja. Réparons tous les trucs que nous pouvons réparer. Allez hop, c'est reparti. Je suis en train de manger du miel avec du yaourt, quoi. Je suis content. J'aime bien. Attends, bah, je peux pas là, me permettre de faire n'importe quoi. Attends. Ça, c'est bon. On va prendre des bottes brillantes. On va les tabasser eux. Je veux que mon marteau brillant soit placé ici, merci. Voilà. On commence à avoir un paquet de tas dans les gradins, hein, n'empêche. Comparé à avant. Ah mais j'apprécie énormément la Switch. C'est comme je dis ma console préférée actuellement. Attends, faut que je lise ce que vous avez écrit. Et voilà, on les a eu. J'ai fait la même erreur l'année dernière de quoi? D'acheter FIFA? Et il a suivi exactement, Gartar. Bonne réponse. Alors attends, j'en suis moi. Les portages du pauvre, comment ça les portages du pauvre? Une série collection, ça. Ouais, quand t'as un PC, encore, oui. Ah bah super, avec Donkey Kong déjà, moi pour moi c'est une merveille, Donkey Kong. Breath of the Wild, j'ai pas encore eu l'occasion de le terminer. Vraiment de le démarrer. Et Mario Plus à Pain Crétin, jamais essayé, mais c'est trop très stratégique. Et Luigi Mansion 3. Pour moi, c'est une véritable tuerie. Après, si t'as une bonne connexion internet, il y, y a des jeux en cloud, comme le... comment il s'appelle, Plattail, ce genre de choses. Le 2 du coup sur Switch. Je suis en train de manger du yaourt avec du miel encore. Là, je... Regarde, ça me fait du bien. Plus archi bon. Il est sur Switch le premier Dragon Quest. Donc Tiof, tu as commencé après moi, si je comprends bien, et tu termines avant moi. T'es tombé accro? Je vois souvent les employés passer par ici, leur local doit se trouver dans les environs. Mais du coup, question. Est-ce qu'il t'a plu? Il aime le jeu. Exact, exact. Moi, je me dis que si t'avais pas plu, toi, il aurait pas terminé si vite. T'aurais pris plus de temps. Il sera les pépères et tranquille.
intéressant ça. On va aller voir, on va remplir ce cas là. On sait qu'on avait TP de shuriken aujourd'hui, mais j'ai mal regardé l'emploi du temps. En fait, on a TP de respiration sous l'eau avec la paille, j'ai honte. J'ai pas mon matériel, la preuve va me tuer. Donc je trouve quelque chose pour respirer sous l'eau. C'est pile ce qu'il me faut, vous êtes aussi ninja ou quoi? Vous échangez contre mes shuriken, marché conclu? Oui. Merci, tiens mon shuriken. Un shuriken, vous allez pouvoir les lancer sans compter. Je veux pas descendre. Oh, cool. Les portes d'entrée, on va aller voir vite fait. Là, pourtant, tu t'amuses. Il a... De tonnes berg, berg, boah, j'ai plein de sang dans la bouche, merci de m'avoir tiré de là. J'ai besoin de me rafraîchir la gorge, un bon thé chaud sera l'affaire pour rincer toute cette cendre. J'ai vu un individu bizarre chez ton thé qui t'attend, il buvait son thé avec une paille. Ah ouais, donc c'est pour donner des indices de là où il faut que j'aille en fait. Mais du coup, verdict, qu'as-tu pensé de ce Mario? Et tu réponds, c'était nul jusqu'au bout. J'aurais du mal à y croire. Je veux savoir. Verdict. Ils sont à la bonne place. Ah mince, on arrive à la fin et du coup j'ai tout loupé. Zut! Tu me dégoûtes, Titi. Voilà. Ah, moi j'ai pas eu de trop les autres références encore plus que ça. Plein de trucs à ça. Il n'y a plus aucun qui est aligné, quoi. J'ai honte. Attends, si. On met un coup de marteau ici, on tue peut-être deux de plus. On va se faire attaquer. De plus. Un peu Luigi's Mansion 3. Mais donc là, pareil dans celui-ci, c'est-à-dire que si t'as terminé le jeu, c'est fini quoi, tu peux pas te balader. L'histoire est finie, donc tu peux pas récupérer le 100%. Ça, faudrait que je fasse attention quand même. Donc, tu sais pas exactement quand ça termine quoi que j'imagine, ça dit bien, attention, vous arrivez sur la salle du boss. Mm-mm-mm.
Je suis toujours en train de grignoter du miel avec du... C'était un Toad. Le bâtiment de côté de la rivière, c'est le manoir ninja. J'avais juré de ne jamais y retourner, mais je dois venger mon maître. Car un jour, il a perdu ses nettes là-dedans et on ne lui a jamais rendu. Ah, pour rentrer là-dedans, là. Je pensais que ça me permettrait de rentrer, en fait. Oh, j'ai idée. Là. Un autre Toad. Et deviens vieux. Non, c'est le boulot, c'est pas que tu deviens vieux, le boulot assomme. Je t'avoue qu'il y a un truc tout con et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de voter, de bosser le moins possible à côté des vidéos. Mince, on va ralaisser là, parce que j'ai toujours pas terminé mon pot de yaourt. Le truc, c'est que toutes les fois où j'ai bossé, j'ai arrêté les vidéos. Pendant un instant. T'es tout le temps déprimé, fatigué ou autre, genre de choses en fait, tu vois. Donc je me dis la fatigue, contrairement aux études et tout, ça fait pas du tout le même fatigue, enfin la fatigue, le boulot. Ça n'entraîne pas du tout la même fatigue, le même état moral. Donc t'as intérêt à gratter avant le boss final, quoi. Avant d'entrer sur le dernier monde. C'était bon. En conclusion, yaourt plus miel, miel artisanal, super bon. Trop bon. Sois content. Ça plus souvent. Et bonne nuit, Speciality. Merci d'être resté si longtemps, en tout cas. Après Animal Crossing. Et c'est un ASMR. Oula, c'est pas bon ça. Bonjour. Hein. Bonjour, pardon. Ah, j'arrive pas à parler. Quel jeu physique sur Switch? Si j'ai pas les boîtes, je trouve pas ça nécessaire. Comment ça? Mais ce que je dis, en fait, c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer le boulot, c'est une question que c'est plus épuisant que l'école, je trouve. Si tes bras multipliés n'en font qu'à leur tête, tu peux appuyer sur R pour les réinitialiser. Comment je sais ça? Désolé, mais je ne révèle jamais mes sources. Alors, on va par là, on verra bien. C'est quoi ça? Allô, Shuriken. Réservé aux employés. Absolument que je sache, j'adore me mêler de ce qui me regarde pas. D'accord que là j'ai toujours pas ce qu'il faut, hein. Voilà, on a trouvé l'entrée, c'est bon. De détente, trésor numéro 43. Peut-être, ouais. Pourtant l'école est stressante, hein, d'une certaine façon. Mais je sais pas, quel que soit le niveau de stress engendré par l'école, je trouve qu'il est moins violent en termes de fatigue. Tu rentres du cours, après t'as quand même des devoirs à faire, tu fais tes devoirs quand tu as envie de faire tes devoirs, et tu joues, et tu peux passer une bonne partie de la nuit à rien foutre, ou jouer, ou faire n'importe quoi, et tu repars le lendemain en cours, et ça va. Halt, qui va là? Oh, c'est toi, Mario? J'ai eu peur que ce ne soit encore un intrus. J'ai eu vu un individu louche entrer en douce alors que j'étais plié. Il portait les vêtements verts et une casquette verte, et qui d'autre qu'un type suspect s'habillerait en vert? Mais c'est mon camarade Luigi. Frérot!
me rappelle. Oh, encore raté. À la prochaine fois sera la bonne. Le texte qui a fait le super lentement. Ah Mario, je dirige toujours des shurikens, c'est notre attraction phare. D'habitude, il y a plein de monde, mais là, personne n'est venu de toute la journée. Alors j'en profite pour faire de la relaxation avancée. Je retourne au jeu, n'hésitez pas à y faire un tour pour une fois qu'il n'y a pas de queue. Ah, et n'allez pas dire aux autres que je dormais, hein. Comme je l'ai dit, c'est de la relaxation avancée. Rien derrière. Je vais te faire plein de modèles en papier comme ça. Oh oui! Non, c'était juste des cœurs de base. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Une tête? On dirait que c'est fait pour être porté. Là, oui, c'est bon. Je vois maintenant qu'il y a des références, effectivement. Et peut-être, ouais, ça ne serait qu'un. Je suis assez d'accord pour beaucoup de jeux, Louis. Il y en a beaucoup. En fait, j'ai la flemme au bout d'un moment de balader les cartouches. Tu vas même aux toilettes, quand je suis sur la Switch, je me dis « Oh, j'ai la flemme d'ouvrir une boîte, d'enlever la cartouche, d'en mettre une nouvelle. Ça prend du temps, c'est le temps perdu pour jouer, le jeu mettra du temps à se lancer en plus. » Voilà, et du coup, bah, j'y touche pas. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire, pardon. Ouais, mais lui, si j'examine, il va aller récupérer le truc, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Une tête, on dirait que c'est fait pour être porté. Ah bah c'est vrai, oh bienvenue à Shogunland. Plus précisément, bienvenue dans le local du personnel de Shogunland. On y stocke aussi le matériel qu'on n'utilise plus. Si tu trouves quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à le prendre, ça nous débarrassera. Casque, masque Goomba, masque d'un réalisme effrayant, parfait pour s'infiltrer. Essaye-le, Mario. Mais quelle gamine celle-là parfois. Pas que tu trouves pas sa rôle. Ouais, mais une tête de grand méchant Gary Matko et ça donne tous les deux un air de ridicule. J'ai jamais vu une créature aussi improbable. Ah, c'est trop drôle. Par contre, le modèle 3D, c'est vraiment le modèle 3D, je trouve très réussi. Hein. T'as l'impression qu'ils ont vraiment pris des photos et qu'ils ont scanné un truc qu'ils ont fait en photo en fait. C'est trop calasse. Et Waouh, super M, tu nous avais caché tes talents de clown. Ah ah, c'est trop drôle! 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 Pardon. Ça pourrait nous être utile si on a besoin de neutraliser un ennemi ou avec un fou rire. J'ai tellement ri que j'ai bien cru que j'allais me faire un faux pli. Masque roi de la jungle, ce masque simiesque semble familier, vous avez une banane? Qu'est-ce que c'est que ce bestiau? Et ce bruit, ça fait donc donc donc. Un singe peut-être, ou une sorte de gorille. Oh, aucune, et ça ne ressemble à rien. Tadi da di da da. Masque mercenaire spatial. Ce masque spécial ne permet pas de se rouler en boule. Eh bien, voilà quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Il est impressionnant. Qu'est-ce qu'il fait? Il combat quelque chose? Il tire des rayons laser avec les mains. C'est joli, mais c'est pareil le style de notre super-héros. Enfin, au moins, on dirait qu'il s'amuse. Sympa. Très sympa. Et oui, super-héros. Ah, ah, le chat qui miaule, je pense. Attendez. Faut que je me lève et que j'aille chercher le chat.
Gros câlin. Ouais. Le chat va un truc. Voilà. Et Super Metroid. Ah oui, Super M. En une semaine, c'est Raven Strikers. Après, les conversions sur Tinder, je sais pas, j'en ai jamais eu vraiment, donc... Un câlin ou pas? Oh ouais, tu veux un câlin, d'accord. Ouais... Mario, tu es venu! Vu qu'on a été envahi par les origamis, pardon, les origami. Et coucou monsieur Sirich. Comment ça va monsieur? La nuit de l'intérêt. Tant que t'as pas trouvé de point commun. Oh le chat. Et assez étudiant pauvre. Il faut pas revendre ces vieux jeux. Non, c'est une très très mauvaise idée. En 5 minutes, j'ai compris pourquoi. Après, bah, ça va, il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien. C'est vrai qu'on t'a pas l'habitude de ce genre de choses, qu'on t'a pas la façon de parler de ce genre de plateau. Compliqué. Mais après, justement, t'as différents sites de rencontres en fonction de tes besoins et ta façon de communiquer aussi. 2017-2018, les joueurs qui sont arrivés cette année, comme Benzema, ont des designs, des célébrations de buts incohérents avec la réalité. Là où j'y connais rien du tout. Et bonsoir Popinou, c'est un des câlins, ouais. Apparemment il a réveillé ma chérie. Et moi j'ai dû aller les chercher donc. Au câlin et surtout la bouffe n'était pas dans la pièce où je suis moi, ni ses toilettes. Donc je l'ai vu rentrer, je me suis dit il va pas vers sa bouffe. Il aurait pu aller vers sa bouffe directement. Mais il est pas allé vers la bouffe. Il s'est frotté à la porte. Et là, t'as l'air un peu perdu. Et c'est compliqué du coup, Sunstriker. Pas compliqué, c'est pas compliqué le bon terme, mais difficile. En même temps, je connaissais quelqu'un qui disait « Tu veux rencontrer des gens qui t'intéressent, va dans des lieux qui t'intéressent, ou sur des plateformes qui t'intéressent. » Mais je trouve que le conseil est bon. Tu vois, si t'aimes boire un coup, t'as plus de chances de rencontrer quelqu'un dans un bar.
effectivement les sites de rencontres, etc. T'as plus de chances de rencontrer des gens sur des sites de rencontres. Encore, c'était glissade sur les genoux avec deux mecs qui couraient avec toi. Alors, si c'est pas cohérent, bah le reste, c'est les plus... Je sais pas. Il y a un truc que j'adore. Voilà, ce petit bouton de patte. Attends la console. Dans le local du personnel, tu trouveras tout ce qu'il faut pour t'infiltrer dans le château comme... Arg. La clé. Elle a disparu. La clé a disparu. Et... La clé. Elle a disparu. La clé a disparu. Pas besoin de crier. Pardon, c'est que cette clé est très 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 importante. C'est un passe-partout avec lequel on peut ouvrir toutes les portes de Shogunland. Toutes les portes, on doit se sentir très 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 important avec une clé pareille dans les mains. On n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on mette la main dessus. Des gothiques, non? Pas forcément, c'est une striker. Pas forcément. C'est comme dire, ah, si je vais au bar, je vais rencontrer que des poivreaux. Alors que non. Il y a plein de gens différents et qui sont là occasionnellement. Peut-être même des gens qui sortent pas souvent et qui, là, cette fois-ci, font une exception parce qu'il y avait une soirée, un machin, un bidule. Et là, paf, rencontre de ta vie. Voilà. Bon. Des joueurs Nintendo pour des cons. Ah bon? On n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on mette la main dessus. Ok. C'est pratique de jouer d'une main, mais... Par contre, j'ai pas fait gaffe parce qu'il y avait d'autres choses à trouver dans le coin. Peut-être que j'ai dû en avoir raté. Oh... Tellement archimédien. On est d'accord qu'il n'y a plus aucun bruit là. Hein. J'aille au truc de shuriken. Autre. Comment je me tiens pas droit s'il n'y a pas. Bah tant mieux. Y a pas de règle. Hein. Et ce qu'il dit à la fin de Hitch, y a pas de règle. C'est le mec qui a des références de films. Alors, attends, par contre. Pas que je vais pas m'occuper de toi, c'est qu'il faut que j'éteigne la lumière parce qu'elle est vraiment trop violente celle-ci. Où est le logiciel? Ah, c'est bon.
Après, moins violent, quand même. Ah, je t'embête là. Ça change tout la posture de quelqu'un. Entre me tenir droit et me tenir un truc comme ça là. J'ai un peu forcé le hasard. Comment voulez-vous que je sois efficace moi avec un chat comme ça? Il va être horrible s'il a pas un peu de câlin. Je vais demander une attention terrible. Bon. Truc des shurikens, c'était où? C'était pas par là. Voilà, c'était à droite là. Et ça commence à faire 17 ans. Hein. C'est beau. C'est très classe ça. Félicitations. Là, et qu'est-ce qui lui arrive? Super, salut Mario, je voulais rouvrir le dojo shuriken, mais quelqu'un m'a shippé mon shuriken. Je fais quoi moi maintenant? J'attends qu'il tombe en du ciel? Quoique, vaut mieux pas. Pas le choix, je vais attendre l'âge qu'est-ce que... passe un ninja qui en aura un sur lui. Et ta la la la. Waouh, tu balades avec des shuriken toi? Étrange, mais tant mieux pour moi. Pour travailler quand hein le tout doux il est trop mignon avoir un chat. Alors, je vais enfin pouvoir reprendre mon quotidien. Métro, boulot, dojo, merci. Ça a l'air sympa ici, qu'est-ce qu'on y fait au juste? Au dojo de shuriken, on peut tester son habilité au lancer de shuriken sur des cibles. Et ceux qui réussissent le mode normal ont droit à une balle de baseball dédicacée par une star. Ah bah oui, bah Julie, je travaille moi le chat. Et Waouh, génial, allez Mario, on essaye, dis-moi. Dis oui, pardon. Moi, oui, comme tu m'as sorti du pétrin, l'entraînement est gratuit, ça se refuse pas, non? Quel mode veux-tu essayer? Entraînement gratuit, je vais essayer le mode entraînement. Ah non, tout est gratuit parce que j'ai pris le pass royal. Quoi qu'il arrive, tout doit être gratuit en fait. Pas de pluie. Je l'ai agacé. C'est ça parce qu'il y a des yeux grands ouverts comme ça, il y a qu'à être dans le vide. Non, c'est un regard plein d'amoureux. Ouais. T'aimes toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Va te prendre, te plaquer au sol. Et donner cours de, je sais pas quoi, de morale. Non, pas de morale, de bien-être.
Un ch'ti canard ou nièvre. Ah, le trouve. Il était pas bien. Oh! Et merci à la personne qui a fait du World of Tank. Alors, soit c'est un truc qui a été fait il y a longtemps et voilà, c'est une gueule. Voilà. Je pense que c'est trop froid pour toi. Voilà. Tu essaies de monter? Et on ne mange pas le plastique, d'accord? Je joue avec si tu veux, mais on ne mange pas. 2,21 gigawatts! Et merci la Grom! Pour le resub, merci pour le 6e mois de resub, tu fais plaisir. Comment tu fais pour la même occasion? Plus de tank, oui! Ah, ça y est, ça va. On peut mieux plus au bout de 5 minutes. Eh, il est pas léger celui-là, mais c'est l'avantage d'avoir un chat. En général, ça devient pas trop énorme les chats. Vas-y, c'est bon, on reprend le jeu. Désolé pour l'attente, mais bon, comme on dit, on a un chat, faut s'en occuper. Tu apprendras d'abord à manier le shuriken dans le mode entraînement. On va pas se mentir, je pense que c'est de l'endroit. J'y gagne beaucoup à caresser un chat. Et donc, c'est donc toi qui viens de faire le World of Tank, et ça a fonctionné, donc merci beaucoup. Par contre, je comprends pas pourquoi ça a pas fonctionné pour certaines personnes. Il y a Lily et Colo qui m'ont confirmé qu'ils avaient fait l'action, et ça n'a rien fait du tout. Donc, je sais pas pourquoi. Tu apprendras d'abord à manier le shuriken dans le mode entraînement. Place-toi en face d'un catapulteur et appuie sur B pour tirer un shuriken sur les cibles mouvantes. La machine a besoin d'un petit instant pour recharger après chaque shuriken, alors pas la peine de matraquer le bouton. Voyons si tu arrives à obtenir au moins 10 points dans le temps imparti. C'est parti. Il faut essayer d'avoir le truc. Temps écoulé, tu as obtenu 17 points. Dis donc, tu es doué. Avec un résultat pareil, tu peux te mesurer sans problème au mode normal et expert. Essaye-les. Tu veux continuer l'entraînement? Non. Ça se tient. What? Merci en tout cas pour le don. Du coup, tu fais double don parce que tu viens de faire un subprime plus World of Tank. Rappel, pour chaque personne qui participe à World of Tank, c'est 12 euros pour moi, en fait. Vas-y, je vais tenter les récompenses de folie là. Tu vas obtenir exactement 21 points, ni plus ni moins. Tu les dépasses, tu auras touché les cibles négatives pour ajuster ton score. Ah mince! Prêt à attaquer en mode normal, n'oublie pas que tu dois atteindre exactement 21 points, c'est parti. Un 3 et c'est bon. Non, je l'ai raté. Non, je fais 22. Mais non, mais tu sais pas compter, mec. Une grosse qui vient un point, bravo, tu as terminé le mode normal. Je suis nul. Merci beaucoup, Nagrom. Merci pour le message aussi, du coup. Ouais, mais il y a une fois où elle a planté l'animation. Donc ça, j'ai lu. C'est très bien du mode normal. Voici la récompense, mais du baseball dédicacé par moi-même. J'étais la star dans ma classe quand je jouais au baseball à l'école. Regarde-la précieusement, si je deviens célèbre un jour, elle faudra une fortune. Oh, punaise. Arnaque. Une balle de baseball signée par le patron de Dojo en personne.
Master, participe à bientôt, j'espère. Attends, je vais essayer le mode expert. Bienvenue au jeu du Shuriken. Quel mode veux-tu essayer? Expert. Allez, c'est parti. Ouais, c'est mon expérience d'obtenir au moins 80 points dans le temps imparti. Check nos records sont enregistrés, alors faites ton mieux, bonne chance. Mon expert à 3, 2, 1, partez. Non, 85, je fais 99 d'un coup et top, tu dis 85 points, c'est un nouveau record. Non, c'est pas un nouveau record, c'est 99 comme nouveau record. Maintenant, 80 points, ce qui veut dire que tu remporteras un prix exclusif unique et grandiose. Coupa macho, Mako, je sais pas comment on dit. Je fais gaffe, il va bientôt falloir que j'aille réveiller ma chérie, environ dans un quart d'heure. Master, pas super bientôt, j'espère. Sauvegarde. Attends, ce que là, regarde. Todd, record absolu 99. Mais je veux faire 99, moi. Je veux faire 99. Macho, macho man. Allez, c'est parti. Non. C'est bon, le 8. Non, je compte pas plus loin à côté là. Tout à l'heure. Finaise, non 91, mais je veux faire mieux que ça. Et bonne IBG, fais de doux rêves, repose-toi bien, prends soin de toi, à la prochaine, ciao, bisous. Et merci encore pour le raid tout à l'heure. Un champi brillant pour récupérer plus de PV quand il le faut. C'est vrai, tu as un pass royal. Ta seigneurie daignera-t-elle à retenter le mode expert en toute gratuité, bien sûr. Jouer. Allez, faut que je fasse mieux, là, faut que je sois plus efficace. J'ai envie d'éclater son score à lui, quoi. Il n'y a pas de petits points. Non, ça se passe vite, il a disparu là. Ça fait moins que d'habitude là, ça fait schtroumpf. Mais non! 80 là, allez hop, je vais faire mieux moi. Oh, par contre, j'ai gagné des trucs, oui.
Allez, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Je joue très très mal, je trouve. Viser les 8 en priorité. Non, je le rate, quoi. Rien là. Attends, je vais encore réussir à faire moins là. J'ai l'impression que c'est vraiment de la chance dans l'histoire. Hein. Tiens, écoulé, voyons voir combien de points tu as obtenu. 68. 9, pardon. Bah, c'est un joli score, mais c'est pas celui qui m'intéresse, moi. Tant encore avec 91 points, vas-y, je rejoue. J'attends trop, j'attends trop, j'attends trop. Non, moins 1. Non, 86. Je veux mieux, moi. Je veux mieux, je veux mieux, je veux mieux, je veux mieux. Par contre, gagner ta truc, c'est cool, mais je veux faire mieux. Parfait. Comment ça, parfait? Qu'est-ce qui se passe? GG. Moi, je vais battre mon score. Je vais essayer d'atteindre les 99 plus. Tu viens de choper un truc, ils font exprès de te mettre autre chose, quoi. Les passes infinies comme ça pour des plateformes, t'es tranquille en fait. Mince, 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 mince. Voilà, allez hop. Non, 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 non. Oh, 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 99 temps écoulé, tu as obtenu 99 points, c'est un nouveau record. J'atteins les 80 points, tu remportes... Oh, putain, c'est pas que je fasse à peine plus. Tiens, pas... Oh, putain, c'est pas que je passe 100, quoi. Oh.
C'est pas juste. T'as fait le... Du coup, tout le... Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est mort. Où je me dis c'est bon, ça passe un peu. Et une partie là, normalement ça doit être le compte. Oui, si jamais ça te le compte pas, le dernier qu'on a eu c'était il y a quelques secondes effectivement, mais n'hésite pas à m'envoyer des screens, des trucs comme ça, comme quoi t'as bien fait le tuto et la partie. Et j'arrive à exploser le score, mais oui, quand vous faites la partie, il faut rester jusqu'à la fin de la partie, que ce soit terminé. Enfin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser votre char. Salut Kuma. C'est toi qui déchire là. Mais ce pas de bol. Tu veux bien démarrer dans ces conditions, quoi. Mince. Mais j'ai tout raté. Mince! Catastrophe. Von Striker, chut. Exactement, on déchire tout. C'est le cas de le dire, on fait une nawak. Non! Je vais trop vite en fait. Mais non! C'est tellement dommage.
Je vais tenter ici. Ah, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont formé des couples dans les chats et tout. Juste se battre le score de Todd pour voir ce qu'il me dit en fait. En espérant que c'est bel et bien possible. Mais t'es sûr, je déteste. Attends, c'est bon. 105. Enfin, écoute, tu as obtenu 105 points, c'est un nouveau record. Tu atteins les 80 points, tu remportes un nouveau prix. C'est sérieux, c'est tout? Comment 105 points et mon record absolu était de 99 points? Et je t'ai eu dans les dents, Gérard. Je suis peut-être un pro du shuriken, mais toi, t'es un véritable maître en la matière. Et pour immortaliser tes exploits, je vais envoyer un trophée au musée pour qu'il l'expose. Tu mérites bien ça. Merci d'en participer, à bientôt, j'espère. Yes, baby. Vivien. À la Molaga, non, parce que j'ai rien gagné de plus, hein, mais... Ding dong bling blang. Rendez-vous au musée Champignon pour admirer votre trophée de maître des shurikens. Le texte qui passe au ralenti. Alors là, je suis quasiment sûr qu'il faut que j'aille par là. Une leçon d'abnégation inutile, comment ça? L'abnégation. C'est quoi déjà l'abnégation? On a quelque chose de plus intéressant, regarde. Et... ce qui a l'air conçu pour être lancé. Clic clac crac, ça te dit qu'on te l'échange contre ce super boss? Ah ouais, vas-y. Clic clic clac, amuse-toi bien avec l'os. Oh, je vais chercher ma chérie. Un os qu'un Scélérax vous a offert, il ferait plaisir à un chien. Des lançois? Oui. Bah, BG Summoner, Blood and Gold Summoner. Alors, c'est pas BG, genre beau gosse, hein, c'est Blood and Gold. Blood. Blood and Gold. Gold. C'est le temps de ne pas lâcher l'affaire. Jamais! Plutôt foncer dans le mur! Par là. Par là. J'adore ces... tu sais, les boulets avec le contour blanc. Ouais, et ta famille! On peut la caresser maintenant qu'elle a mangé, je vais essayer. Vas-y, bouffe là! Oh non! Oh, mais ça sent très bon ça! Oui, j'aime bien les feuilles papier dorées comme ça. J'avais jamais vu un cœur aussi grand. Elle devrait être en manque d'affection. J'y crois pas. J'ai réussi à la caliner. Elle est plutôt chou quand elle essaie de ne pas nous fomper. De la vie! Forceur de métier, comment ça? Ah! Je crois que tes PV viennent encore d'augmenter, Mario. Tu m'as l'air encore plus fort que tout à l'heure. Tant mieux. Par contre, ils me disent qu'il y a un truc par là, là. Mais où? T'as un petit point de sauvegarde ici. Et après, on va bosser sur les réseaux sociaux. Forcément quelqu'un qui part dans le coin. Yeah.
Mais c'est déjà fait. Je fais déjà ça, Sun Striker sur YouTube. YouTube, tu peux retrouver quelques livres audio que j'ai fait. Et je continue encore à m'enregistrer régulièrement. Piou, je suis redevenu moi-même. Qu'est-ce que j'étais? Un poisson? Tout, mais pas un insecte, en pitié. J'organise activité pêche en face du manoir ninja. Viens d'y essayer à l'occasion. 4 minutes, faut que j'y arrive à lâcher. En 3 minutes même. Brillante. Ah, tu m'as raté, Jean-Gérard. Alors, c'est qui le patron? J'ai quasiment plus rien en truc. Tu peux apprendre l'art de la pêche façon Shogunland? Eh bien, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, c'est la même pêche que tous les autres. Ah, le tenteur de passe royale. Chaque partie coûte normalement 300 pièces, écus, mais pour toi, c'est VRIP et c'est totalement gratuit, tant mieux. Content d'avoir acheté le pass normal, tu vois, enfin le pass, le gros pass. Oula, mais attends, c'est quoi ces poissons là? Alors, je sais jamais comment il faut faire en fait à ce passage là. Là, j'arrive pas à... Excellent. Je sais pas comment tu fais... Oh, ça, c'est du poiscaille, du bon, du vrai. Oh non! C'était un leurre! Aussi, OABG. Ça, vous ne le saurez jamais. Et, ah mince, vous le savez maintenant, je suis bête. Bon, du coup, faut que j'aille réveiller ma chérie, je vais te rappeler dans quelques minutes. Normalement, le maximum du maximum, c'est 5h du matin, mais il est possible que je revienne en général dans les 20 minutes. Donc, vous avez plein de camarades streamers qui sont encore en stream à cette heure-ci, comme Skerax, Aishu, Balna, Vexios, Archibald, Wixlade, etc. Moi, je vais vous absenter. Enfin, je vais vous absenter exactement quelques minutes. Voilà, je vais m'absenter quelques minutes. Et je reviens après, on continue un tout petit peu à jouer à Paper Mario, et puis on ira bosser pour de vrai, parce que je veux vraiment retoucher tous les trucs des réseaux sociaux et tout, là. Et ça commence à devenir ultra important, d'autant plus que j'ai fait des nouvelles demandes de partenariat à droite à gauche. Et qui risque sans doute d'être refusé si je me bouge pas le cul. Donc voilà. Du coup, coupe de rediffusion. D'abord, on passe sur la pause. Bah, être productif. Voilà. Et coucou, c'était là. Je t'avais pas vu arriver, excuse-moi. J'espère que ça ira mieux. Allez, hop. Pause. Et voilà. De retour. Alors, on cherchait à choper des trucs. N'empêche qu'on s'est bien fait arnaquer là quand même. Hein. Là il est le truc. Parfait, c'était pile celui qu'on voulait. Ah, à chaque fois je me loupe et je sais pas pourquoi je me loupe en fait. Je trouve que c'est bordélique la pêche dans le jeu. Il faut pas que j'appuie sur le bouton. Allez, un trophée. C'est beau ça. Trophée boîte de thon. Félicitations, Etienne.
Oh, punaise, boîte de thon. Mais c'est ça, vous avez pêché un mini-trésor. Vous avez découvert tous les trésors qu'abritait ce lieu de pêche. Merci. Mais en fait, il reste... On voit qu'il y en a un là-bas, là. Allez. Et est-ce que c'est un Todd ou pas? Vas-y, c'est un Todd, je le tape. Oh, laisse-moi tranquille, j'étais comme un poisson dans l'eau, moi, là-dedans. Je t'ai fait les amis. Mais le gros s'est barré. Zut. Pas toi que je voulais. Mais c'est pas grave à faire avec. Ah, c'est un tout petit, ridicule. Ah, il est quand même plus gros que les autres. Oh punaise, mais non. Oh, le gros, s'il vous plaît. Il est tout petit aussi, zut. Vous avez pêché un chip-chip, il est franchement minuscule. Ouais, 16 cm. Oh punaise. Le gros poisson là qui avait la dernière fois, il est où là? Fait très musique de niveau de jeu d'espionnage. Ouh, attendez. Est-ce qu'il sera pas mal gros lui ou pas? Un chip, eh bien c'est une belle prise. 157 cm. Voilà. Ah, c'est un truc à débloquer avec ça. Ah là là là. Non, il est plus petit que l'autre. Il y avait un immense que j'aurais très bien récupéré là, mais non. Qui réapparaîtra pas le gros. On a vu que c'était un faux à un moment donné, mais petit. Bon, là, ils ont tous plus ou moins la même taille. Dommage que j'étais en train de pêcher sur l'origami lorsque l'autre gros est apparu. J'ai l'impression qu'il reviendra. Là, il reviendra juste pour me narguer. Ouais, j'avais que tu pêchais un autre poisson. Tant pis pour toi. Allez surveiller. Ouais, j'ai l'impression qu'il ne va pas être appelé. J'ai mal à voir quel est le plus gros du bac. Ils ont dit qu'il n'y avait plus aucun trésor à récupérer là-dedans. Ah bon? C'est toi qui pue là-haut.
pense que l'autre était plus gros à côté. Oh là là. Tu vois, il est pas assez gros celui-là. 131, mais non. 157, faites mieux. Non. Retourne-toi, s'il te plaît. Et vois-le. Ah, toi que je veux, là. Et là, c'est un faux, encore une fois, je parie. Bah ouais, en fait, faut que j'arrête d'essayer de le pêcher, lui. Un Linji ? Ouais, c'est nul. Bon, vas-y, viens, on s'en va. J'étais déçu. Je me suis dit, ah, ouais, vas-y, c'est bon, on va l'avoir. Mais non. je vois que tu as attrapé pas mal de contrefaçons, alors tu as droit à 200 pièces de consolation. Ouais, ouais, ouais. Non, mais t'as vu les mecs qui trichent, quoi ? Bah non, peut-être que j'allais là-haut, moi. Visitons le dojo ninja. Bienvenue visiteur dans les maisons des mécanismes. Dans la maison, pas dans les mécanismes. Entre truffé de pièges, d'écueils et de traquenards, la maison des mécanismes vous ouvre ses portes. Saurez-vous la conquérir ou n'en sortirez-vous ni jamais. Entrez si vous osez. Par contre. Oh putain. Un entre plein de pièges. Mais c'est dangereux les pièges. Brrr. Nous sommes à l'air super cool. Résoudre des énigmes, esquiver des dangers comme les vrais ninjas. Je vais toujours rêver. On y va. Allez, Bobby est archi prêt. Il a déjà enfilé son costume de ninja. Tu viens avec nous cette fois, pas vrai Bobby? Entrer volontairement dans un vieux manoir rempli à craquer de pièges en tout genre, c'est quand même une drôle d'idée, non? Pardon. Les ninjas, c'est tout ça, c'est un truc pour les enfants, voilà, je suis pas le bon public. Oh, quel rabat-joie tu fais, Bobby. Allez, on va bien rigoler. Attends, il y a dans ces coins... Yes, baby. Et qui, toi? Ah, merci. Normalement, les shurikens sont pas debout. J'espère qu'il est bien arrivé au toit du local technique. Il m'en faudra pour faire des plateformes. Ah, merci Mario. Comment tu as fait pour me trouver cette pierre? En fait, j'ai vu un grand type en vert entrer là-dedans avec l'air de pas savoir où il était. Tu sais qui c'est? Tout le coup, c'est Luigi. Oh ouais, les pognons. On aime le pognon. Pour l'instant, j'ai rien vu d'autre. Qu'est-ce qu'il y a par là? Moi, ce manoir me dit rien. Je vous attends dehors. Ninja, amusez-vous bien. Pour de vrai? Ah bah non, c'est trop dommage. Enfin, on y va, Mario? Bienvenue à vous, apprenti ninja. Êtes-vous prêt à montrer votre talent ninjesque à l'épreuve? Pour sortir de ce martel manoir, vous devez maîtriser la voie du champi jutsu. Votre niveau ninja sera calculé en fonction du nombre de ninjas cachés que vous découvrirez. Atteindrez-vous le meilleur niveau? Obtiendrez-vous un score parfait? Vous feriez bien, car la récompense sera sensationnelle. Oh, j'ai jamais été aussi impatiente de ma vie. Et coucou Suzman Scofield, comment vas-tu? Je sais pas, on n'a pas beaucoup joué encore aujourd'hui. Hein. En fait Mario, si tu te sens perdu là-dedans, tu peux m'appeler à l'aide en appuyant sur X. Et tu crois qu'on reçoit des diplômes ninja à la fin?
La maison de mécanisme est ouverte. Allez, Mario, pas question de sortir de là avant d'avoir fait tout fini. Non, vous avez rien vu, il s'est rien passé. Je m'en dis pas, Ninja. C'est faux, Seiya. C'est faux. Si. Ça va bien, merci, et toi? Comment vas-tu, Seiya, aussi? Vu un ninja passé. On a tout vu là? Je sais si j'ai tout vu. Oh! Mince! Qu'est-ce qu'il y a? Trop de vie. Musique des années 80, surtout du Billy Idol. Alors la saison 9, je suis nostalgique des films d'horreur des années 80. Et c'est quoi comme... Il y a eu quoi comme film d'horreur dans les années 80? Ça y est. C'est quoi là? Bisous! Au revoir, chérie! Est-ce qu'ils se foutent de qui eux? Redisposer les ennemis, ok. Ah, le chat essaye de suivre! On va pas avoir deux fois. On va utiliser les super bots. Comme ça les one shots. Premier épisode de la série que je n'ai jamais vu. Du coup. Jamais. Je n'ai jamais vu ce film. Taper partout, on sait jamais, hein. Donc si j'ai un coup de marteau, ça fonctionne moins bien. Oh! Alors... Dans le doute, on y va comme ça. Ah, les saletés. Ça, c'est lâche.
Ultramain, j'aurais dû mettre un truc plus puissant pour les taper. Il y en a qui meurt si tu fais ça à chaque fois. Ouais, j'ai beaucoup plus de points de vie, mais comme tu peux le voir, ils font mal et j'aurais bien préféré avoir plus de dégâts. Encore, je n'en ai pas 105, je crois que j'en ai 100 pile. J'espère que ils sont tellement énervés qu'ils se planquent. Eux, c'est bon. J'aime qu'il y ait du pognon. Shining, Halloween, Chucky, Christine, The Thing, la chose, jamais vue. Tous des films que j'ai jamais vus. Je les connais de nom, mais... J'ai pas fini de visiter la zone, moi. C'est pas les ennemis les plus agréables qu'on ait pu rencontrer, cela, on va pas se mentir. De ce côté-là. Et voilà. Ça dépend, parce que c'est quand même un objet annexe, là. Et hop, combat de vague. Chaque fois, j'oublie de parer. Oh non, je l'ai pas eu. Pour un mec, ils vont m'embêter. Sérieux? Mais non. Déprimant. Un sauf pour les dégâts des pieds. Comment ça, les dégâts des pieds? J'ai pas dû appuyer assez au bon moment. Au lieu de faire un excellent. Voilà. 1123 pièces, ça c'est beau.
faut que j'en saute dessus, sinon ils me font un bac. J'ai essayé de parer, mais je suis pas arrivé. Ça va être claqué toutes ses attaques à cause de ça, quoi. Il y en a deux qui ont survécu, dont deux où j'ai raté l'action. Le pauvre est tout seul, oh comme c'est triste. Vas-y, on l'achève. Sur un combat, un smic. C'est aussi pas beau, je sais pas ce qu'il faut. 390, hop là. Tellement se faire déchirer par le boss. Voilà, au moins on a fait apparaître tout le truc. Alors, donc d'abord ça. Voilà. Non mais rien n'est plus riche que l'oncle Picsou de toute façon. Point Jenam 516 et notre truc hors service. J'espère quand même que j'ai eu tout le monde, hein. Le truc que je pouvais avoir et sont bien été passé à la trappe. Si j'étais censé passer par là dès le début ou pas. Y'a rien là et là.
suis pas allé au bon son, j'espère que tu aimes les rouages et les décors industriels. Y'a rien d'autre par là? Rien de rien? C'est le vide total? On a sauvé tous les Toads. Oui, ça je prends mon team, j'ai déjà plein de trucs. Nous sommes dans le local technique de la maison des mécanismes. Tous les pièges et autres dispositifs sont activés par les machines qui sont en bas. Pas mal, hein? On va aller voir par ici. Oh Luigi! Ouais, je suis coincé! Au secours à l'aide, je veux Mario! Aucun cas déguisé en Mario, ça ira aussi! Le vôtre perdu de vue. J'avais espéré qu'il ait trouvé la clé, mais on ne peut pas toujours tout avoir. On devrait l'aider à se dépêtrer de cette machine incongrue. Tu as des idées? Passe. Ça bouge. Aïe aïe. Je suis sauvé. Ouah. Hein quoi? Non, je suis pas sauvé. Oh j'arrive. J'arrive. Y'a rien d'autre par là là. Tu m'as tiré de là, frérot, merci! D'ailleurs, tu tombes bien, j'ai une surprise. C'est ta-la-la, la clé du château de Peach, j'ai réussi à la trouver! Clé de Shogunland. La clé trouvée par Luigi ouvre toutes les portes de Shogunland. Ça raconte pas la journée que j'ai passée dans ce parc infernal. Et le moment où j'allais te rejoindre, un affreux chompe sur nulle part a failli me chomper. J'ai voulu me mettre à l'abri ici, mais une fois rentré, impossible de retrouver la sortie. C'est là que, bam, des ninjas m'ont assailli. J'ai réussi à prendre la fuite, tout ça pour finir coincé dans un engrenage inextricable. Bref, c'est vraiment pas mon jeu, mais au moins j'ai retrouvé la clé. Comment dire avec diplomatie? Merci Luigi, c'est vrai qu'on avait bien besoin de cette clé, mais... C'est pas exactement la clé du château, celle du parc. Comment pas la bonne clé? Mais elle était accrochée à son mur avec tellement de souveraineté. Alors je n'ai pas douté à l'instant que ce soit la clé du château. Je ne m'avouerais pas vaincu par si peu. Je vais la retrouver, cette clé, la vraie cette fois-ci. Je sens que vous allez avoir un running gag là-dessus. Hein. Bonne nuit. Du coup, ça se met le cas de film. Plus haut, tu t'endormes. A plus, frérot, à plus, Olivia. C'est alors, il ne se laisse pas battre ton frère. J'aimerais bien être aussi cool. Je m'inquiète un peu pour lui, mais on aura besoin de cette clé quand on aura drôlé les serpentins. Il s'en sortira tout seul, pas vrai? Après tout, il a l'air débrouillard. Maintenant qu'on a la clé du parc, on va pouvoir visiter tous les recoins. On va enfin ouvrir la porte du château, mais pas avant d'avoir exploré tous les recoins du manoir, bien évidemment. Je suis sûr que je vais rater les trucs, me connaissant. Je vais être dégoûté. Lancé pour une frappe à longue portée de 10.
Voilà, à chaque fois j'avance trop. Où est-ce qu'ils sont les autres? Ok, suivant. Je tranche saucisson, j'ai envie de saler. La question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que je... C'est passé. Je vais pouvoir m'en sortir. Et salut Yuki Ham Sauvage, installe-toi confortablement, n'espère qu'on te sentira bien ici, merci de nous avoir rejoint. Comment ça va, tu viens de chez Skyrax? Je sais pas ce qu'il s'est dit, mais j'ai vu que Lia avait popé dans le chat. C'est mignon. J'ai envie de saucisson. Ça c'est bon. Hello Ghosty. Comment ça va? Donc ça c'est bon. Oh, je peux pas faire de bon aussi haut. Et là, pour une fois qu'on a tous les blocs frappés. Un de plus. J'ai peur d'avoir raté un truc, hein. J'ai vu, j'ai regardé partout, c'est bon. C'est gentil, c'est adorable. Merci. C'est pour ça qu'il a popé dans le chat le lien. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se raconte? Tac. Descendre ici. Merci en tout cas d'avoir eu la curiosité de venir voir. C'est gentil. N'empêche que j'ai quand même envie de saucisson. Bon, celui-là je vais l'ouvrir.
trophée et... Luigi. Ça, c'est bon. Par contre, il y a un point de sauvegarde, ça me plaît pas. Oh! Bonjour! Au bas par vague, il va y avoir du monde là. Ouh là là! Non, c'est mon 3, c'est bon. Laissez brûler les petits papiers. Oh! Yes! J'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Vous transformez pas. Nickel. Ça, is ok. Est-ce que j'ai d'autres bottes brillantes? Yes! D'après, il me reste plus que des marteaux. Avec mes sens, comment vas-tu? Bon, prévisible. On va d'abord essayer de miner cela. J'ai vraiment trop envie de ce son. Je crois que je vais vraiment aller en chercher. C'était pas une chanson. Attends. Attends, remets-moi du temps là. Anaïmé, comment vas-tu? Je les ai même pas tués, quoi. Bon, aujourd'hui, essayer d'avoir les autres. On se rend en bûche, là. Oh oui, je vogue. Attends. La casse quand ils font ça, là. Pas du tout. Tant pis. J'ai très très mal fait mon truc là. Mais c'est bon, il est encore vivant lui, punaise, mais... Dégagez! C'est embêtant la force! Ça va bien, merci.
est-ce que vous avez tous installé l'aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 10? Ah, j'ai rien vu du tout. Je serais bien incapable de te dire ce qui se passe. De quoi il faut maintenant? Il faut maintenant manger du saucisson, c'est ça? D'ailleurs, je comprends pas ce que tu cherches à me dire, Essence, désolé. Mais il m'agace avec ça, là. Parce que plus de vie, là. Je savais pas comment je pouvais les remplacer eux. Par contre, il va falloir un objet là. Ah, ça rapporte 100. Wouah, ça va, ça, ça va. Ah punaise, c'est vrai que j'ai pas l'augmentation de bonus. Allez, qu'est-ce qu'ils me veulent? Tac, tac, tac. Voilà. Je me dis que je peux toujours avoir un boss derrière ça en plus. Pas de saucisson. Ça y est, enfin. Heureusement, ça rapporte un peu. Est-ce qu'il faut pas que je tape sur les trucs sur les côtés ou ailleurs ou là, je peux plus tomber. J'aime bien derrière, c'est de la feuille d'or. Jamais, s'il y en a un qui serait un peu tordu ou autre, mais non, apparemment non. À mon avis, j'arriverai pas à tout récupérer. Qu'est-ce qui se passe avec quand les gens ils s'en sortent pas? Ils meurent? Félicitations, vous avez déjoué tous les pièges mortels du Funeste Manoir Ninja.
Vous êtes désormais officiellement des ninjas de l'ordre du Champijutsu. Bravo, ninja. Tu as réussi, en plus, un seul morceau en plus. J'ai tout récupéré ou pas? Tu es vraiment fortiche. Réussir toutes ces épreuves sans m'appeler en une seule fois à l'aide, au chapeau. Et puis tu sais, il y a des énigmes que j'aurais jamais su résoudre toute seule. Alors, bravo, maître ninja. Vous avez trouvé 23 ninjas cachés. Encore plus fort et vous atteindrez la perfection. Obtenez donc le rang de ninja magistral. Voici votre récompense. Il manque qui? Une queue? Qu'est-ce que je fasse avec? Ce manoir est un vrai casse-tête. Mais la prochaine fois, on les trouvera tous. Il m'en manquait où? Non, parce que moi c'est téléphone rose, maison. T'as consommé ce soir, Camessence? Et coucou, Scarab! Comment vas-tu? Votre type en vert, vous venez juste de le rater. Il a failli... Il a géré du manoir comme s'il avait vu un fantôme. C'est un ninja, lui aussi? Quoi qu'il aurait du mal à passer inaperçu, sauf dans un arbre, peut-être. Encore, il a une chalopette bleue, donc même dans un arbre. On peut remercier Luigi d'être allé se coincer dans ses rouages, sinon on n'aurait jamais récupéré la clé. Vous m'entendez? Parfois, j'ai l'impression d'être invisible. À croire que j'ai vraiment un costume ninja. Oh, on devrait sûrement aller ouvrir la porte du château maintenant, se dit-il sans que personne ne l'écoute. Il y a des plateformes, il y a des plateformes là-bas. Et je veux du saucisson. Je vais aller chercher du saucisson. Faire une disparition. Non, mais surtout, je voulais pas te parler. Qu'est-ce que ce panneau a été réparé? Quand est-ce que ce panneau a été réparé? C'est fou. Je suis toujours de la dernière informée ici. Attends, non. Non. Ça veut dire qu'il y en a un qui se plante quelque part mieux que les autres. Bobombe! Ah, j'ai tout pété. Par contre, attends, carte. Déjà 100%, trou rebouché 50%. Et les trésors trouvés 67%. Ouais, donc il y a tout un truc que j'ai raté, quoi. I'll be back. Une quiche aux champignons. Bah, c'est bon, les champignons. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Trompé de champignons, c'est ça? Sauf ninja, bah j'ai pas compris. Y a pas des trucs à sortir ici ou autre. Non plus. Ça sert à quelque chose que j'y retourne. J'ai la flemme tout de suite. J'ai pas compris la part avec les schtroumpfs en fait. Y'a Skyrax qui est toujours en train de chasser le shiny. Oh! Tu me rappelles physique, c'est un gentil chomp-chomp. On va laisser regarder là-haut, on va aller complètement à gauche. Oh mais non. Mais pourquoi sont des schtroumpfs? Ah car c'était pénible. Je viens de comprendre, ça y est. Alors. Voyons voir. Redisposer les ennemis, oui. Voilà. Voilà. Je vais voir si la boutique de souvenirs ou autre est encore là. Et là, on va aller schtroumpfer. Allez, le pouvoir de l'esprit de l'eau. Envoyez la bague.
Ouais, mais je suis pas assez réveillé là pour ça. J'ai pas dit que je jouerais peu. On est à 2h47. Et une petite heure, on arrête. Et voilà, ça s'est bien terminé. 1141. Il me semble que là c'était fermé. Ah là je sais pas si j'y suis déjà allé. Bonjour. Un scandale. Y'a quelqu'un? Merci de me retrouver même si je ne peux pas sortir de là. J'ai acheté un pass royal mais ce n'est pas en restant enfermé là-dedans que j'en profiterai. Ah, ne me regardez pas, de l'acné à mon âge, je n'ai pas de bol. J'ai beau dormir, je suis toujours fatigué. Ça, on connaît bien ça. Et obèse? Obèse de quoi? Ouais, non, tu suis pas non plus qu'émessence. T'es en forme ce soir, j'ai l'impression. On est sûr? Et là, maintenant, j'ai une clé. Ça ouvre partout. Y'a quoi dedans? Saucisson, saucisson. Fabien Nature résout l'énigme maison du mystère. Fabien Nature résout l'énigme. Les mettre pareil, mais je suis pas sûr de moi. Qu'est-ce qui me perturbe? J'ai bien compris qu'il fallait faire après la même chose, mais. Non, je pensais pas que c'était si simple. D'accord, ok. Et non. Faut laisser ça au professionnel qui a mes sens. Cœur PV max plus 5. Yeah, ça, ça me plaît. Du coup. D'accord, on a entendu aucun Todd. Attends, 30 secondes, je vais me chercher du saucisson. Ça risque de prendre un petit peu de temps, le temps que je le chope, que je le bouffe et que je le découpe. Bon, non, j'ai d'abord découpé. Allez, je reviens, j'arrive. Bonsoir, ce live est condamné pour déviance. Veuillez circuler, s'il vous plaît.
On s'en bat les kiwis, on s'en bat les kiwis, on s'en bat les kiwis. On va se mentir, ça fait du bien. On s'en bat les kiwis. Décision, c'est la vie. C'est faux. Mais oui, on avait trop envie. Alors. C'est effectivement très bon, mais on a ni pain, bon on a du beurre, mais pas utilisé pour ça. Est-ce qu'il y a des endroits où je n'avais pas pu aller auparavant? Apparemment ici c'était bon. Je veux bien que je me nettoie entre chaque saucisson pour éviter d'en foutre sur la manette. À part où je suis passé. Il me semblait qu'il y avait deux portes que je pouvais pas ouvrir. Ah oui, mais ça coûte plus cher chez un boucher compétent. Est-ce que c'était pas ici que c'était fermé? Non. Et où c'était fermé alors? J'en prends un dégueulasse qu'à mes sens, hein, donc... Ça dépend de quelle qualité. Tu prends, si tu prends un truc de qualité, c'est pas forcément plus cher. J'ai le souvenir d'un truc qui soit fermé. J'arrive pas à me rappeler où. Ah mais là je pense que c'est ça. C'est donc je mange, j'ai coûté moins d'un euro. Voilà. Donc les saucissons dégueulasses, mais saucissons quand même. Des choses que t'achètes pas tous les jours. Ah par contre, comment je fais pour passer là-dedans, moi? C'est ouvert, ça? Ah! Bonne nouvelle, ça. Et là? Fiesta les conserves. Ah, que c'est bon. Est-ce que là, j'ai récupéré tout ce qu'il fallait? 88%, 100%, mini trésor trouvé 60%, bloc frappé 44%. Ouais, en fait, je suis loin, quoi. Tout ce que j'ai trouvé, c'est trop rebouché. Encore quand même tellement de toiles à sauver. Merci beaucoup Mario, j'avais pas de rester à tout jamais coincé là-dedans. Après moi, c'était la bienvenue au labo des technologies annexe Shogunland. Ah bah, qu'en dis-tu? Veux-tu faxo voyager jusqu'au labo central de tech... Non. Gentil, mais ça m'intéresse pas, là. À part s'il y avait des choses à améliorer, mais pour l'instant, je pense pas. J'aime bien savoir est-ce qu'il me manque des choses. J'ai l'impression d'être passé partout là. Essaye, j'ai fini mon... Quand je vois mes Legos, j'ai envie d'en refaire quoi, c'est terrible.
Je crois que je suis trop paumé ce soir. Alors attends. J'ai pas compris à quoi je devais recracher ça, Kim. Je crois que si il y a quelques... Mais je sais plus si c'est maintenant. Hein? Et quelques... Mais moi, peut-être? Je sais plus si c'est le cas maintenant. Ah, le chat, il va bien, oui. Là, je sais pas où il est. Je sais pas s'il est avec Chéri ou s'il est avec moi. Je l'ai pas vu. Quelque chose dans le fax, mais le fax ça va directement au... On appelle ça au... Est-ce que j'ai sauvé tout le monde ici par exemple? La cloche ne sonne plus. J'espère bien avoir un revenu financier un peu plus agréable qui permettra de payer les choses un peu plus efficaces. Tu vois? Et pour les heures décalées, ça je pense qu'il n'y aura aucun problème pour les continuer. C'est un rythme de vie différent. Je pense que le plus difficile c'est de changer les horaires décalés. Mais les gens qui travaillent toute leur vie en étant décalés, vivent, c'est tout. C'est gentil qu'il y ait ça, c'est merci. Du coup, qu'est-ce que j'ai raté là par ici? J'ai l'impression de rater des trucs, mais quoi? Là, je ne vois plus rien d'autre. Qu'est-ce qui peut bien me manquer? Chez le photographe, on avait déjà. Peut-être que j'allais voir les premiers personnages au tout début, à l'entrée. Aucun autre truc qui se déclenche. Bon, on verra, écoute. Hein. Comment les choses se passeront. Il n'y a rien non plus ici. Le shuriken, j'ai déjà fait. C'est allé par là. Ah, peut-être à droite. C'est tout stressé à l'extrémité là. Je vous en supplie, voler à la rescousse des employés. Ah, peut-être que c'est à gauche derrière là qu'il faut que j'aille, plus loin. Au dispositif, j'aimerais m'amuser avant l'ordre de dos. Ah non. Peut-être que là, il y a du monde là-dedans. En plus, si j'avais pu y rentrer dans la boutique. Si. Ah, là, c'est fermé. Assis-toi Mario, sur les guerriers avait fait l'air coriace, alors je me suis stratégiquement replié. Mais maintenant que tu es là, je sais que je ne risque rien, je vais donc ouvrir la boutique de ce pas. Bon, il n'y a rien d'autre? Les blocs, j'ai du mal à les repérer dans le jeu. Comment ça? Parler... Serais-tu tenté par un souvenir de Shogunland? Alors attendez... non, non, bien sûr, il n'y a plus de chaussures. 12 800. Et ça pique quand même, hein. Un fidélité comme toi mérite une récompense. Promets-moi donc de t'offrir, roule mon tambour, cette carte de fidélité. D'accord, 20% de remise sur les armes et objets des boutiques. Oh. Avant de faire votre achat, pensez à équiper cette carte pour bénéficier de superbes remises. Appuyez sur... Ouais, dans l'accessoire, ça m'intéresse pas en fait. C'était un champignon brouillon qui avait à droite.
coup, tu veux dire que là, tu peux plus réussir à vivre de nuit? Quel est le souci, en fait? En quoi ça a été problématique? Ou peuvent être les derniers qui me manquent. Je me dis qu'ils peuvent être derrière, mais... T'as rien de plus à me vendre? Une livraison... Ah, bon, bah, je veux des accessoires en plus. J'avais pu rentrer par là, là. 2,21 gigawatts. C'est quand même pas mal, ici. On avait pas fait des trucs comme ça, là, à une époque, non? Ah, c'est vrai que j'avais enlevé la couette, mais je l'ai pas remise. Et merci pour le prime encore une fois, Camessence. Merci beaucoup. Et après, c'est d'avoir fait de moi. Oh non, c'est encore une fois de moi ton nul. J'ai dit que je m'arrêterais tôt. Je sais plus quelle zone j'ai visité. C'est bon là? Ouais, qu'est-ce qu'il a mer sauter? J'aimerais mieux faire. Ouais, j'aurais dû commencer par un soda, mais du coup, non. Quand tu dis que tu ne supportes plus, c'est-à-dire que ça te fait quoi? C'est pas indiscret, rien ne t'oblige à répondre, tu t'en doutes bien. Oh, un bras pour récupérer et discuter. Je me demande un peu pourquoi Shogunla s'appelle comme ça. Parce qu'il fait chaud. Bah, ne me prends pas la tête, un parc d'attractions est fait pour s'amuser. Bon, bah, je vois pas ce qui pourrait me manquer, hein. J'ai l'impression d'être passé partout. J'ai envie de rentrer dans la pièce, mais je sais très bien ce qui va se passer si je rentre avec la suite de l'histoire, on va s'en servir d'un truc long, et après je dessinerai pas, il est presque 6h du matin, donc il faut que je travaille là. On y va? Ça te déprime, c'est vrai? Moi je sais pas. J'aime bien quand il fait sombre. Bah, je préférais limite être enfermé dans une pièce où il n'y a pas de soleil et avoir 2 tonnes de bouquins et d'étagères et de machin autour de moi que de voir le soleil en fait. Je sais pas, le soleil me brûle, je l'aime pas. Là, quand je vais dehors, je sens le brûler. Mais rien qu'en sortant des poubelles, je sens le brûler. Pour de vrai, hein. Sauf que c'est agressif pour les yeux, ça fait mal, mais... C'est vrai que c'est l'inverse, je me sens souvent plus fatigué en étant sorti que... Qu'en est-on là où je suis? Par contre, si, il y a un truc qui va pas avec les poils ensemble, mais c'est parce que je me tiens pas droit. Ouais, peut-être que ça changera, on verra bien. Hein. Et au pire, je changerai mes horaires de stream dans ce cas-là si vraiment ça pose aussi. Même si ça m'embêterait quand même pas mal. Du coup, c'est à partir de quel âge à peu près que t'as fait ça, qu'il y a eu changement? Bon, on re-sauvegarde et on coupe la diffusion. On va aller travailler, on va essayer d'aller travailler. Je sais pas qu'on va travailler. Travailler, mais essayer de travailler sera déjà pas mal. Du coup, pouette. Ça fait quand même près de 6 heures qu'on joue. La quarantaine, il me reste encore quelques années avant de l'atteindre, donc à voir du coup. Si vraiment à partir de là, il y aura un changement ou autre. Bon, je me le souhaite pas, mais on verra. Bref! On va couper la rediffusion ici, j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez
passez pardon, une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Bref, je reviens, à tout de suite. Pum 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 p